Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial de votre émission hebdomadaire Regard sur le monde qui est consacrée pour la troisième semaine consécutive à ce qui se passe en Palestine. Un enfant meurt toutes les 15 minutes à Gaza. Cela devrait suffire à alerter et inquiéter le monde au plus haut point. Pourtant, les bombardements de l'occupation israélienne se poursuivent dans l'enclave palestinienne pour la 19e journée d'affilée. De jour comme de nuit, les attaques sionistes ciblent habitations, hôpitaux, écoles de l'ONU, infrastructures de base, tout sans distinction aucune. On fait sans tarder un point de situation avec M. Mohamed Younes, chef du département de français à l'université à Al-Quds, à Gaza. Contacté il y a quelques minutes, il nous confie que la ville frontalière avec l'Égypte, où il se trouve actuellement avec sa famille, subit des attaques intenses depuis quelques jours. Pourtant, c'est le seul passage possible pour l'aide humanitaire. On l'écoute. Oui, je commence. Oui, alors je voulais vous dire, vous qui êtes, qui vivez sur place, qui vivez à Rafah, qui le passage, le seul et l'unique passage des aides humanitaires, est aujourd'hui cible de bombardements intenses depuis plusieurs jours déjà. On autorise l'entrée de l'aide, mais en même temps, on bombarde une volonté d'assujettir et d'aggraver la situation du peuple palestinien, monsieur Younes? Oui, oui, bien sûr. Alors, moi, je suis actuellement à Gaza. J'avais un appartement dans la ville de Gaza, mais je suis chassé, comme la plupart des familles de Gaza, vers le sud, parce que le sud, ils ont dit, et les Israéliens, ils ont envoyé des messages, des menaces pour aller vers le sud. Alors, en fait, mon appartement dans le centre de Gaza a été bombardé par les forces israéliennes. Moi, je suis maintenant actuellement chez ma famille dans le sud. Alors, la situation, c'est très difficile. Ce que se passe avec les personnes qui sont chassées de leur maison vers le sud. Alors, Rafah, c'est une ville qui se trouve au sud de Gaza. Alors, il y a beaucoup de bombardements chaque minute. Alors, hier soir, on avait passé une nuit, c'est très, très, très difficile. Alors, le bombardement, il a commencé de minuit jusqu'à 13h, jusqu'à 3h du matin. Alors, on sait, et le bombardement, il est où? On ne sait rien. Alors, avec la pénurie d'électricité, la pénurie d'Internet, alors, on ne sait rien. Alors, c'est 3h, moi et mes enfants, on attend la mort. Et il semble plus d'1,5 million de Razaouis avoir fui vers le sud à cause des bombardements. Mohamed Younes évoque des conditions de vie inhumaines. Je vous invite à l'écouter. Le problème, c'est pour les familles qui sont chassées, qui se trouvent maintenant dans les écoles de l'ONU. Ils ont ouvert les classes, ils sont installés dans les classes. La situation là-bas, c'est très, très difficile. Il fait froid là-bas, dans le lit. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas c'est quelque chose, c'est catastrophique, c'est une situation catastrophique, même pour les personnes qui ont chassé de leur maison, ils ne trouvent pas des appartements, ils ne trouvent pas quelqu'un de leur famille pour s'installer chez eux. Bah donc, ils se réfugient dans des écoles, ces mêmes écoles qui sont quand même bombardées par l'entité sioniste. Le nombre de victimes a dépassé les 5 800, dont le tiers sont des enfants, 17 000 blessés. Les hôpitaux également sont débordés. Pire, les autorités sanitaires de Gaza évoquent l'effondrement du système de santé dans la ville. Hier, on a le Wafa, il n'y a pas d'électricité. Et l'Aouda, il n'y a pas d'électricité, c'est pour faire des opérations. Alors, c'est quelqu'un, alors on dit, il y a quelqu'un hôtel qu'ils vont rester pour quelques heures qu'ils vont travailler. Alors, ici, c'est le manque de médicaments. Le manque de médicaments, c'est très, 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 c'est très difficile de faire des opérations, même si pour aider les personnes qui sont blessées, c'est très difficile. Alors, en même temps, alors s'il y a une aide israélienne, alors c'est pour trouver les familles qui sont dans la destruction, c'est très difficile. Alors, on passe 2 jours, 3 jours pour trouver des personnes. Alors, en même temps, on trouve 2 personnes, après le deuxième jour, on trouve deux personnes, après on trouve 2 personnes. Donc, c'est très difficile, il n'y a pas, par exemple, des grandes
des grands camions pour des grands camions, c'est pour aider les personnes, pour aider les gens, pour chercher les personnes qui sont sous la destruction. Alors, l'utilisation a bombardé Gaza avec environ 12 000 tonnes d'explosifs. Alors, ce qui équivaut à la puissance d'une bombe nucléaire à Hiroshima. Alors, c'est la même quantité de Hiroshima qui était au Japon. Alors, je ne sais pas pourquoi tout le monde il est silence jusqu'à le moment. Voilà, c'était donc le témoignage de Mohamed Younes, enseignant et chef du département de français à l'université Al-Quds à Gaza, un des habitants de Gaza qui a dû fuir les bombardements vers la région de Rafah, qui est actuellement bombardée également. Je vous invite à écouter également Ali Chekchek, l'attaché médical à l'ambassade de Palestine en Algérie. Il revient sur cette détresse sanitaire que vit la ville de Gaza. Gaza est sous le blocus. Et maintenant, il est dans la guerre. Il est bombardé partout. Il n'y a que les civils qui sont bombardés. Et le blocus, il y a les malades, les blessés, les martyrs. Pour la première fois dans ma vie, je dis que la réalité est plus catastrophique que l'imaginaire. Le maintenant, sur le blocus et l'interdiction de faire entrer le matériel, l'actualité internationale doit être devant ses responsabilités humaines. Ces gens qui habitent la zone de Gaza sont déjà réfugiés depuis 1948. Ils étaient déplacés de leur terre et de leur maison. Ils sont en train de les déplacer encore une fois en Égypte. Le bombardement intensif dans le but de vider le nord de Gaza. On bombarde des bâtiments à l'aveuglette. Et même les hôpitaux ont été bombardés. Situation donc insupportable à Gaza et la documentation est disponible partout dans les médias, les réseaux sociaux, des images insoutenables peignant les crimes de guerre commis par l'occupation israélienne contre les Palestiniens. Ces derniers ne sont plus contestables à ce stade. Pour en parler avec nous ce matin, le politologue Abdelkader Soufi, spécialiste des questions internationales. Monsieur Soufi, bonjour. Pourquoi ce silence de la communauté internationale, monsieur Soufi? Pourquoi nous ne sommes pas capables d'aider les Palestiniens? La communauté internationale est silencieuse tout simplement parce qu'elle a peur. Le monde a peur. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui comme épuration pure et simple de la population palestinienne comme acte qui ressemble à la solution finale et que personne ne répond, personne ne bouge, vous comprendrez que le monde a peur. Quand vous voyez les médias du monde entier prennent pratiquement une seule position, 96% des médias du monde ont pris la position de cette organisation terroriste qui est l'entité sioniste. Vous comprenez que la question dépasse de loin le principe de colonialisation de la Palestine. Quand vous voyez aussi les niettes catégoriques quant à l'arrêt de l'agression sur Gaza, sur la bande de Gaza par les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France en exprimant un veto, vous comprenez que la question finalement ce n'est pas que l'entité sioniste, parce que l'entité sioniste prend sa force dans ce soutien indéfectible des grandes puissances, notamment des États-Unis d'Amérique, et dans le silence des pays arabes et pays musulmans. Là, quelque part, on comprend mieux. La question est très profonde. Et il s'agit de cette hégémonie américaine qui dicte la conduite à tenir à tous, et tout le monde se tait par peur de représailles. On n'arrive même plus à dire la vérité dans les forums internationaux. Hier, par exemple, le secrétaire général de l'ONU a déclaré pour la première fois depuis le début des attaques sionistes contre Gaza, a déclaré que l'attaque du Hamas était la conséquence de plus de 50 années d'occupation et cela a suscité beaucoup de réactions. On a même demandé sa démission. Israël serait-elle aussi puissante que cela, monsieur Soufi? Il est vrai qu'on n'arrive pas à dire la vérité où il y a une volonté de cacher la vérité, d'orienter le discours et le sens de la chose. Rares sont ceux qui ont cette possibilité de dire
la vérité telle qu'elle est, comme par exemple ici en Algérie ou certains pays où il est possible encore de dire les choses. Aussi, les médias du monde, peut-être on peut retrouver quelques petites chaînes, par exemple quelques États occidentaux qui n'ont pas épousé la thèse américaine et qui encore timidement disent la vérité telle qu'elle est. L'Organisation des Nations Unies est un outil quelque part aujourd'hui de cet ordre mondial, du gouvernement mondial qui dicte la conduite à tenir et qui décide et définit la vérité. Et donc, quand on se rappelle comment que a été détruit l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Libye, on comprend que l'ONU, avec ses institutions, le Conseil de sécurité, sont des outils là à la disposition des États-Unis d'Amérique et consorts pour décider du devenir du monde et de l'ordre mondial et ce que doit se faire. Et finalement, le secrétaire général de l'ONU, quelque part, ce n'est qu'un employé, ce n'est qu'un employé de cette organisation des Nations Unies. Il n'est pas un État et il est nommé et éventuellement, il peut donc subir toute forme de pression. Et encore est-il que il a pu dire la chose telle qu'elle est, quelque part aussi le président américain, mais je dirais grâce à cette résistance palestinienne, a pu prononcer le mot Palestine depuis que ce personnage fait de la politique. Il dit que cet État sioniste, s'il n'existait pas, les États-Unis d'Amérique auraient fait tout pour qu'il existe. Et là, je vais vous dire une chose. Donc, l'organisation gouvernementale terroriste créée par la Grande-Bretagne et surtout et les États-Unis d'Amérique a été implantée sur le territoire palestinien pour contrôler le Moyen-Orient et pour sauvegarder les intérêts majeurs de ces puissances-là. Et c'est pourquoi cette entité existe. Ça aurait pu être une autre entité, mais c'est finalement une base avancée pour les Américains, une base avancée pour damer le pion, malheureusement, à tous les pays de la région et en profiter pleinement des avantages pour garder les intérêts soft et intacts. Mais qu'est-ce qui pousse des pays qui avaient une position plus ou moins équilibrée sur la question palestinienne à suivre aveuglément et sans retenue à la folie israélienne? Je pense à la France notamment, qui a complètement défié de sa position traditionnelle, monsieur Soufi. Si on peut comprendre maintenant un peu plus clair, par exemple, pourquoi on a fait sauter le port du Liban, de Beyrouth, parce qu'il y a un projet américain qui veut faire de la Palestine pratiquement le socle et le moyen de passage de ce projet entre l'Inde et l'Europe. S'il y a ce projet aussi maintenant qui explique aussi pourquoi on veut vider Gaza de sa population pour réaliser le canal Ben Gurion qui devrait rivaliser avec le canal de Suez. Et on comprend pourquoi les deux petites îles qui sont à la fin, quelque part, entre les frontières de l'Égypte et l'Arabie Saoudite sur la mer Rouge. Et qui sont des points, j'allais dire, stratégiques assez importants pour ce canal-là, pour le contrôle de l'économie mondiale qui pourrait donc remplacer celle du canal de Suez. On comprend. Mais en ce qui concerne la communauté internationale et certains pays qui avaient des positions pro-palestinienne qui était correcte. Je parlerai aussi beaucoup des pays africains, surtout des pays arabes, ceux de la résistance, des pays musulmans. Eh bien, il y a deux choses.
Il y en a ceux qui sont acquis à la cause, justement, maintenant américaine, qui ont changé de position parce que politiquement, ils ne sont pas indépendants. Ce n'est pas la conviction, mais c'est l'intérêt. C'est parce qu'il y a beaucoup d'intérêts en jeu. Ensuite, il y en a les pays qui sont, je dirais, faibles politiquement et qui ont peur parce qu'ils ne peuvent pas dire la chose comme elle est. Et là, ils changent de position ou ils ont changé de position ou ils se sont tus parce qu'ils ont peur. Voilà pourquoi beaucoup de pays ont changé de position. Merci, Monsieur Abdelkader Soufi. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales et je vous propose à présent d'écouter Saïed Abou Msamah, parlementaire palestinien, qui revient sur ce soutien conditionnel des États-Unis à l'entité sioniste. Il est contacté par Lies Tellerini. Les États-Unis d'Amérique participent directement à cette guerre. Je dirais même que c'est un acteur principal car elle fournit les armes à Israël. Elle l'aide également en termes de renseignements. Elle l'encourage à commettre davantage de massacres. Et ceci n'est pas nouveau. Il faut savoir que les États-Unis ont toujours constitué une bonne partie du problème du peuple palestinien et de notre cause. Mais cela ne décourage pas notre résistance, qui essaye de contrecarrer cette conspiration israélo-américaine et continue d'infliger des pertes à l'ennemi. Que fait actuellement l'Amérique? Elle procure des avions à une entité pour attaquer des civils, majoritairement des femmes et des enfants. Nous reviendrons sur ce soutien américain un peu plus tard, mais de l'autre côté, en même temps, le président français fait une proposition surprenante hier, mobiliser la coalition internationale contre le groupe terroriste Daesh pour lutter contre le mouvement de résistance palestinien, le Hamas. La suggestion du président français a eu lieu lors de sa visite hier en Israël, suscite l'indignation des Palestiniens aujourd'hui, plus que jamais unis et solidaires avec le mouvement de résistance, le Hamas, qui montre une capacité de résilience héroïque. 19 jours après le déclenchement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa et le début de l'agression sioniste contre Gaza, une nouvelle opération a été menée hier par le Hamas par voie maritime tout près des colonies de Zikim et Karmia. Je vous invite à écouter Majed Narma, analyste politique contacté par Rabia Aslimani. Le mouvement Hamas est un mouvement de résistance. Rappelez-vous que l'OLP était aussi considéré comme un mouvement terroriste par tous les pays occidentaux jusqu'aux accords d'Oslo. Donc, à mon avis, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas trop prêter d'attention à ce bavardage. Finalement, c'est le rapport de force sur le terrain qui compte. Hamas ou la résistance palestinienne a réussi à donner un coup fatal au mythe sioniste d'invulnérabilité, de puissance. Hamas a démontré que c'est vraiment comme un tigre en papier, et ne retire sa force que du soutien que lui apporte l'Occident. Mais l'Occident maintenant est divisé. Il a conscience que quand même ce projet n'est plus viable et qu'il faut finalement appliquer les résolutions des Nations Unies. Et j'espère que ce sera l'enseignement de cette tragédie. Mais on a appris par l'histoire qu'il se plie provisoirement, mais qu'il continue la même. Rappelez-vous toutes les guerres israélo-arabes, c'était la même chose. Il y avait des résolutions qu'Israël n'a pas appliquées et que l'Occident n'a pas exigé de sa progéniture israélienne de les appliquer. Voilà, maintenant, ça, c'est le résultat de décennies d'ignorance, de complicité avec le projet sioniste. Une résistance palestinienne plus que jamais soutenue par le monde arabe et le monde musulman, explique Majed Nehmeh, contacté par Rabia Slimani toujours. Tous les peuples du monde arabe, tous les peuples du musulman, tous les pays libres, y compris en Amérique latine, en Afrique, ce n'est plus un soutien uniquement palestinien,
C'est parce que maintenant, contrairement à ce qui s'est passé dans les guerres précédentes et surtout en 1948, maintenant tout le monde regarde, il voit ce que fait Israël, quels sont ses mensonges, quelles sont les désinformations qu'ils nous servent tous les jours. Mais maintenant, quand, les masques sont tombés, je pense quand même, Israël, d'abord ceux qui ont normalisé parmi les traites arabes, c'est maintenant je crois que s'ils ont un grain d'honneur, ils doivent arrêter cette trahison, et, parce que sinon ils seront balayés par leur peuple. Majed Nermé a abordé également, a évoqué une résilience importante du Hamas qui continue au 19e jour de l'attaque, des attaques contre Gaza, continue à mener des opérations contre l'occupation. On l'écoute. Oui, oui, c'est tout à fait. Israël, depuis, moi je le répète tout le temps, c'est depuis la guerre de 67 qu'ils ont gagné facilement parce qu'il n'y avait pas de volonté réelle du monde arabe de combattre Israël. Mais depuis cette guerre, Israël a perdu toutes les guerres. Quand je dis perdu, ce n'est pas parce qu'ils peuvent, ils peuvent gagner du territoire, ils peuvent détruire, ils peuvent occuper une ville comme Beyrouth, mais finalement, le résultat, il n'a pas pu réaliser son objectif, c'est-à-dire soumettre le monde arabe. Maintenant, le monde arabe, il est comme un seul homme contre le projet sioniste, et je pense que surtout au niveau populaire. Et jusqu'à maintenant, si vous voulez, Hamas combat presque seul, avec un peu de soutien du Hezbollah, mais je pense quand même que tous les fronts vont s'allumer on va assister à une guerre régionale. Si ça continue comme ça, si Israël n'arrête pas les massacres à Gaza, mais il n'y a pas qu'à Gaza, parce qu'il ne faut pas oublier, en Cisjordanie, il y a depuis le déluge d'Al-Aqsa, il y a eu au moins une centaine de morts à Gaza, dans le silence absolu des médias. Sur le front libanais, il y a aussi une vingtaine de morts, et ce n'est que le début. Et puis aujourd'hui aussi, Israël a bombardé le Golan, tuant une dizaine de soldats syriens. Vous voyez, je pense que quand même que l'Occident qui soutient Israël, je pense qu'il prend le risque de voir tous ses intérêts dans le monde arabe détruits et combattus. Il y a déjà en Irak des attaques contre les bases américaines, en Syrie également. Voilà, c'était le politologue Majed Nermé, contacté par Rabia Slemani, qui évoquait un soutien du monde arabe et musulman à la résistance du Hamas. Un soutien qui n'est pas suffisant, nous dit Mustapha Youssef Addaoui, ancien représentant du Hamas au Liban et en Syrie. On l'écoute, il est contacté par Lias Talrini. Nous sommes fiers des positions des mouvements populaires arabes, de la rue arabe qui a exprimé son soutien à la cause palestinienne, mais nous avons besoin d'encore plus de pression contre l'ennemi sioniste. Le monde doit savoir que la résistance palestinienne n'est pas seule, nous ne devons pas combattre seuls. Il est vrai que la position de plusieurs pays arabes a changé avec le temps, mais actuellement il est question d'une position arabe commune. Les pays arabes doivent hausser le temps face à l'Occident, car il faut savoir qu'on ne combat pas uniquement pour la Palestine, mais pour l'honneur du monde arabe et musulman, et pour défendre la sainte mosquée Al-Aqsa. Mustapha Youssef Addaoui, ancien représentant du Hamas au Liban et en Syrie, dénonce le silence de la communauté internationale, mais aussi le soutien conditionnel des États-Unis. C'est un massacre qui est en cours actuellement, un plan sioniste d'épuration ethnique sponsorisé par les États-Unis avec des avions et des armes américaines et avec le feu vert de l'Union européenne. C'est le génocide du siècle contre l'humanité devant les yeux de la communauté internationale. Le peuple palestinien résiste, mais ce mutisme international nous attriste. Des femmes et des enfants sont ciblés. La résistance palestinienne, par contre, n'a pas tué d'enfants ni de civils.
Elle cible des positions militaires. L'injuste et horrible politique du deux poids deux mesures ne peut plus durer. Mostafa Youssef Addaoui, représentant du Hamas, ancien représentant du Hamas au Liban et en Syrie. L'entité sioniste annonce une offensive terrestre imminente. Cette annonce a été faite il y a déjà une semaine. C'est le sujet de notre Zoom ce matin. Lies, bonjour. Bonjour Sabrina. Cette phase de l'attaque israélienne a été repoussée plusieurs fois. Oui, on entend parler de cela depuis plusieurs jours, une incursion terrestre sioniste à Gaza. Israël prépare son offensive et c'est une nouvelle étape imminente faisant craindre un embrasement de la région. Nous avons d'une part les États-Unis qui continuent de sponsoriser Israël avec des armes notamment, et de l'autre côté l'Iran et le Hezbollah qui mettent en garde l'entité sioniste contre cette éventuelle invasion militaire sur Gaza, soulignant que cela pourrait entraîner la région dans une spirale infernale de violence. Et le chef d'état-major de l'entité sioniste, lui, affirme vouloir démanteler complètement le Hamas à travers cette invasion. Mais pourquoi l'opération n'a pas encore été lancée? D'abord, il y a la question des prisonniers de guerre qui sont toujours aux mains du Hamas. Ils sont au nombre d'environ 220, dont des étrangers, des prisonniers qui constituent pour la résistance un moyen de pression. Et c'est ce qui maintient aussi les troupes sionistes dans l'attente. Pourtant, les brigades Al-Qassam ont affirmé que les Israéliens retenus à Gaza sont, je cite, des invités et qu'ils vivent dans les mêmes conditions que les Gazaouis. D'autre part, selon le New York Times, les États-Unis auraient conseillé à Israël de retarder l'invasion de Gaza. Les Américains veulent plus de temps et c'est lié aussi à leurs intérêts stratégiques dans le Moyen-Orient. Cependant, des soldats israéliens sont actuellement aux abords de Gaza, mais pour déclencher l'opération, il faudra une décision politique. Et actuellement, il y a des divergences et des contestations au sein même des dirigeants sionistes entre l'armée et le gouvernement de Netanyahou. Alors qu'Israël compte environ 360 000 soldats réservistes et plus de 170 000 militaires en activité. Merci Lias Talrini. Et je rappelle que le bilan des massacres perpétrés à Gaza par l'entité sioniste s'élève désormais à 6546 assassinats, je dis bien assassinats, personnes assassinées, palestiniens assassinés depuis le 7 octobre dernier. C'est la fin de cette émission réalisée par Aïcha Hamel. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Excellente journée sur Al-Chechen 3.